31, c'est parfait. Bon, bah, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici. Petit clin d'œil parce qu'on a commencé les premiers webinaires Maestro lors du premier confinement. C'était en mars dernier. Nous voilà au deuxième confinement et vous voyez, ça continue. La communauté s'enrichit de plus en plus et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Clark Chahine qui va nous raconter un peu les facettes d'un product manager sur un produit très B2B. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a eu pas mal tendance ici à recevoir des gens qui étaient très en B2C, notamment quand on pense à Blablacar, on a eu quelqu'un qui est de Spotify, etc. Et là, on va voir un peu ce que ça signifie aussi quand on travaille avec des entreprises qui sont les utilisateurs et non des particuliers. Avant ça, je vais vous présenter un peu aussi pourquoi on fait ces webinaires, qu'est-ce que c'est Maestro, si ça peut en intéresser certains. Je vais faire ça pendant 2-3 minutes et après, vous inquiétez pas, le but, c'est de comprendre tout avec Clark ce soir et du coup, je ferai juste celle qui passe un peu les questions et qui en pose aussi. Surtout, vous n'hésitez pas, petite règle à savoir pendant tout cette heure qu'on va passer tous ensemble, vous posez vos questions au fur et à mesure. Moi, je n'hésiterai pas à couper Clark, et même si vous en avez pour moi, d'en converser, vous le voyez en bas de votre écran. Et donc, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. Le but, c'est d'y répondre et que ce soit le plus interactif possible. Donc, n'attendez pas la fin, on peut vraiment le faire pendant. Et je suis sûre, Clark, que ça ne te dérangera pas. Aucun problème. Un petit mot sur Maestro. Maestro, c'est un bootcamp. Pourquoi un bootcamp? Parce que pour devenir product manager, pour se reconvertir, pour progresser sur ce métier, ça demande en fait du temps. C'est très complet quand on travaille en tant que product manager. On travaille sur tout le cycle produit, de la conception à la delivery, la discovery. Et donc, il faut le temps pour faire ça. Et donc, c'est 7 semaines qui vont permettre de se préparer pour décrocher un job de PM. C'est 7 semaines qui vont permettre de travailler sur beaucoup, beaucoup de cas concrets venus directement de l'écosystème tech. Avec évidemment le besoin de travailler sur des produits, de trouver des problèmes et de se mettre dans la peau d'un PM. Et c'est 7 semaines aussi qui vont permettre de construire un petit side product qui vous permettra en fait de générer des premiers users et de mettre les mains dans le cambouis sur votre propre produit pour voir à chaque fois toutes les étapes du produit, qu'est-ce que c'est. On a à la fin de ces 7 semaines un demo day. Vous pitchez devant un public, devant surtout un jury de product managers qui viennent écouter un peu quelles ont été vos étapes et quelles ont été vos réflexions, quelles ont été toutes les problématiques auxquelles vous avez fait face sur justement votre produit que vous aurez développé à la fin. Moi, ce qui m'intéressait de voir avec vous aujourd'hui, c'est de vous dévoiler nos partis pris chez Maestro. On a 3 partis pris très importants. La première, c'est qu'on a des intervenants très différents à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le product management, il y a autant quasiment de product management qu'il peut y avoir un peu d'entreprise, de manière de faire et de manière de penser. Après, quand vous regardez derrière, les rituels, les outils, les méthodologies sont souvent les mêmes. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de développer votre culture générale produit. Et plus elle va être large, plus vous aurez une culture large, plus vous serez à même de faire des choix en tant que product manager qui seront adéquates le jour où vous aurez un job. C'est pour ça que tous les jours, vous allez avoir un intervenant qui sera product manager, chief product officer, head of product, user researcher, un product designer, qui viennent directement de toutes les boîtes tech qui nous entourent. Donc, je pourrais vous les citer, elles sont très, très nombreuses. Et l'idée, c'est que c'est eux directement qui interviennent, qui donnent les cours sur une des parties du cours du moment. Donc, ça peut être la recherche utilisateur, ça peut être la discovery, l'entretien, le guide utilisateur, ça peut être aussi le delivery, comment on fait un backlog, comment on parle avec des CTO, etc. Et c'est eux vraiment qui construisent ce cours-là. C'est eux derrière qui arrivent aussi avec des cas, des études de cas réels. Ils apportent des cas concrets en fonction de leur situation et ils vous demandent de les résoudre dans la journée avant, évidemment, une restitution avec chacun pour que vous ayez à la fin de la journée mis les mains dans le cambouis, agi comme un product manager et vu la correction de quelle était la bonne manière de faire pour ce sujet-là. Et enfin, notre dernier parti pris, c'est de dire que c'est pas mal aussi de travailler sur un produit qui est le vôtre, un peu pour avoir un side product qui vous permettra de mettre les mains dans le cambouis, cette fois-ci sur un projet from scratch, mais qui permet de voir aussi d'autres facettes de ce que vous pourrez être amené à faire en tant que product manager quand vous devez développer des prototypes et développer des nouveaux produits. Avec quoi vous ressortez à la fin de Maestro? Je pense que c'est important de le comprendre. Vous ressortez évidemment avec un portfolio produit. Vous aurez vraiment vu énormément de cas pratiques, énormément de choses. Et en fait, l'idée, c'est de vous donner toutes les armes
pour que derrière, quand vous postulez en tant que product manager, les boîtes vous veulent absolument. Et pour ça, évidemment, le fil rouge de notre bootcamp, ça va être de vous préparer aux entretiens, de préparer votre profil, de préparer les bons mots, comment ça se passe, un entretien, pourquoi, quelles sont les qualités qu'on va rechercher, quelles sont les qualités que vous devez continuer à développer en fonction de votre profil. Vous aurez forcément déjà une des phases du product manager, lesquelles doivent être améliorées, lesquelles vous pouvez progresser. C'est pour ça qu'il y a tout un focus qui est aussi donné aux soft skills. C'est important de savoir communiquer quand on est product manager. Vous êtes à la croisée de plein de métiers différents, les tech, les design, le business. C'est important de connaître tous ces langages et de savoir aligner les gens. Donc, c'est la prise de parole est importante, le feedback, le management est quelque chose qui est très important à saisir et sur lequel il y aura quelque chose. Et il y a une autre chose qui va être très importante aussi, et c'est pour ça que vous le voyez, je vous ai dit, vous avez des intervenants différents tous les jours qui viennent de plein de boîtes. Et en fait, à quoi ça sert? C'est aussi à vous construire un réseau que le jour où vous êtes soit à la recherche d'un job, soit déjà dans votre job, vous puissiez utiliser ce réseau pour vous aider, continuer à progresser. Je pense que s'il y a un truc hyper intéressant, et je suis sûre que tu vas nous le dire, Clark, dans le product management, c'est que c'est un métier qui évolue beaucoup, sur lequel tu progresses en fait tout le temps, tout au long. Et c'est pour ça qu'un réseau, quand tu progresses, c'est hyper important, parce que tu vas pouvoir aller parler aux uns, aux autres, dire où tu en es. Et évidemment, dans ce bootcamp, vous découvrirez, vous prendrez en main tous ces outils. J'en ai mis ici quelques-uns, ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Mais l'idée, c'est que vous voyez un peu la diversité et pourquoi c'est long. Là, je vous ai mis des exemples de personnes qui interviennent, qui donnent directement des cours. C'est qu'un tout petit exemple, pour de vrai, il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, je n'ai pas du tout mis assez de femmes dans cette slide, parce que pour de vrai, on a pas mal de femmes aussi. Donc, il faut absolument la changer, ça ne va pas. Mais voilà, vous voyez, on a des gens de chez Tiller System, de chez Payfit, de chez VP, The Toolbox, pour vraiment comprendre tous les produits, enfin, tous les outils à utiliser, Paperness, Wild, Comet. On a le Headmaster de la Product Track de Lyon aussi qui intervient, qui est un designer sur tous les sujets de product designer. Enfin, vraiment, c'est très riche en termes de diversité. Voilà, donc ça, comme ça, vous avez, juste pour vous faire un petit point, on a un prochain bootcamp qui commence en novembre, on le maintient, on va faire du distanciel, on a eu la chance, si je peux dire ça comme ça, de le faire déjà pour le deuxième bootcamp, parce qu'il y a eu des cas de Covid, et donc on a pris l'habitude et on a vu comment ça marchait à distance, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait, donc on n'a pas peur de refaire, et qui nous permettra de faire au moins les premières semaines de manière très fluide, avec toutes les petites techniques qu'on a retenues pour que ça marche à distance sans trop de problèmes. Voilà, je vous laisse maintenant avec Clark qui va, comme je l'ai dit pendant l'intro, vous expliquer un peu comment marche le product manager quand on est... Alors, je crois que j'ai arrêté de partager. Je ne sais pas si ça a fonctionné. J'ai commencé à partager moi-même. Tu vois mon écran ? Du coup, Clark, je ne t'ai pas présenté exprès. L'idée, c'est de... Toujours là. Ouais, désolé, ça a bugué. Mais là, c'est bon, je suis toujours là. On t'entend, on voit ton écran. J'ai l'impression que tout est bon. Merci. Parfait. Et je disais que je t'avais pas présenté exprès pour que tu prennes un peu de temps pour le faire. Ça marche. Je te remercie, Annabelle, et merci à tous de vous être connectés ce soir. Je sais que c'est tard, et malgré le confinement, c'est pas forcément le truc le plus fun de faire, mais j'espère que ça sera intéressant. Alors, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu de mon expérience et de ce que j'ai vu dans les 10 dernières années, quelles sont les différentes facettes d'un product manager en B2B qui sont très différentes, ou du moins assez différentes d'un product manager en B2C. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vais me présenter quand même. Donc, moi, c'est Clark. Aujourd'hui, je suis le Head of Product de Kepler. Et avant cela, j'ai passé 10 ans chez Schlumberger. Alors, à coup sûr, vous ne connaissez pas ces compagnies. Ce sont des compagnies qui vous sont indispensables, mais dont vous n'en avez aucune idée et vous n'en connaissez pas du tout l'existence, tout simplement. Schlumberger est la compagnie leader en services pétroliers et Kepler est la compagnie leader en tracking des matières premières et à l'accès des données de tracking de matières premières dans le monde. Et toutes ces données et tous ces types d'énergie et de ressources sont très importantes pour nos vies journalières, mais très souvent ne sont pas au courant. Et c'est souvent le cas d'ailleurs en B2B. La plupart des boîtes, vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de product managers en B2B et souvent on n'en est
pas au courant. Et c'est des milieux qui ne sont pas forcément très sexy. Je dois l'avouer, j'en suis sûr que je me souviens, il y avait des amis à moi du lycée qui se sont connectés ce soir et qui m'ont dit, la première fois que je leur ai dit, je vais rentrer dans le secteur pétrolier, ils m'ont dit, va derrière toi, Satanas, on ne veut plus te connaître, tu n'es plus notre ami. Pourquoi? Parce que c'est pas très sexy. Donc, durant ces 10 dernières années, j'ai touché à la fois du support, du sales, du marketing et puis du produit. Et à la fin, je dirigeais et j'étais responsable des équipes produits des plus gros logiciels de Schlumberger qui avaient plus de 50 000 utilisateurs. Donc, pour un B2B, c'est très gros, qui générait plusieurs centaines de millions de dollars de revenus. Donc, c'est encore très gros et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est une trentaine de product managers à travers le monde et plus de 120 développeurs. Et j'ai décidé, il y a 6 mois, de changer de bord et de passer d'une grosse boîte B2B à une plus petite boîte B2B, à plus de 105 employés, aussi basée à travers le monde où mes équipes de développement sont à la fois à Paris, à Londres, à Singapour, à Dubaï et un peu partout. Et je l'en discutais avec Annabelle juste avant. Nous sommes full remote. Depuis le Covid, on a rendu tous nos bureaux. Et chez Kepler, je suis responsable des équipes produits, design et product marketing. Donc, j'ai vraiment fait presque 11 ans dans le B2B. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde, de voir comment d'autres compagnies aussi développaient des logiciels en B2B et dans d'autres pays. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques-unes de ces facettes, quelques-unes de ces vues et visions que j'ai eu la chance d'avoir et de le mettre dans le contexte, en fait, non pas que de la vie du produit, mais aussi de la vie de vous, comment vous allez évoluer dans votre carrière, etc. Donc, je vais commencer par une interrogation. Très souvent, on me demande, vous avez, enfin, il y a beaucoup de gens qui font du product management en B2B. Eh bien, hier soir, j'ai fait mon geek. Je suis allé sur LinkedIn et sur LinkedIn, le search est booléen. Donc, il suffit que vous cherchiez des mots-clés et vous regardiez en people. Et bien, vous trouverez beaucoup, 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 beaucoup de gens qui font product manager en B2B. Et en voilà quelques exemples. Dans le secteur aéronautique, dans le monde, il y a du moins sur LinkedIn des gens. Il y a plus de 90 000 personnes qui se sont taguées comme product manager ou qui ont été product manager dans le passé. En oil and energy, c'est le secteur où j'ai évolué pendant 10 ans, il y en a plus de 200 000. Il y en a dans les compagnies de services, mais il y a aussi dans les compagnies pétrolières, dans les compagnies énergétiques. En marketing and advertising, il y en a plus de 650 000. Alors, quand on passe au niveau supérieur, au niveau banque et finance, et là, il y en a plus de 800 000 dans le monde. Et en France, il y en a au total, pour chacune de ces catégories, entre 4 000 et 12 000. Et souvent, ce sont des product managers et des équipes produits dont on n'entend jamais parler. Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est parce que ce sont des environnements très niches, des secteurs très niches, ou ce sont des secteurs très secrets. Par exemple, aérospatial, énergie et pétrole et banque, ce sont des secteurs qui sont très fermés. On ne veut pas divulguer trop, on ne veut pas trop en dire. Il y a une ribambelle de patents, de brevets sur les technologies qui sont utilisées, etc. Et ce n'est pas toujours bien, c'est pas très populaire, disons. Ce n'est pas le plus sexy. Mais ça n'en reste pas une des industries ou environnements qui est le plus excitant d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue développement. Parce que, quoi qu'on dise, souvent, ce sont les compagnies B2B qui financent les compagnies B2C, mais aussi qui créent les technologies dont les compagnies B2C finissent par adopter et utiliser. Et encore plus important, beaucoup de ces compagnies, surtout les grosses compagnies, celles qu'on appelle communément en anglais « the big corporation », sont celles qui finissent par acheter les plus petites boîtes ou grandir leur écosystème comme ça. Et j'ai mis un petit stat en bas ici pour dire, en gros, quand vous cherchez juste product manager dans LinkedIn, toute industrie confondue, vous en avez plus de 14 millions et 340 000 en France. Et donc, c'est un très, très gros réseau. C'est un réseau qui aujourd'hui est toujours très fragmenté et segmenté, tout simplement parce que souvent, les product managers en B2B ne se sentent pas
faisant partie de la même famille, parce que ce n'est pas les gens qui sont les plus vocaux, etc. Et donc ça commence à doucement à changer, mais ça prend du temps. Et maintenant, la question qu'on se pose souvent, c'est mais alors qu'est-ce qu'ils font? Sur quoi travaillent-ils? Quels sont leurs utilisateurs? Et c'est là où il y a une différence nette, c'est que très souvent, on pense product manager, et par exemple avec John Maestro, on pense product manager en tant que product manager pour du software, mais à vrai dire, dans beaucoup de ces industries, on a autant de personnes qui font du product management pour du software que pour du hardware, donc vraiment pour des outils, et parfois même pour les deux. Par exemple, à Schlumberger, on avait des équipes, donc j'étais dans la division software, on avait des équipes hardware, et puis on avait des divisions qui faisaient software et hardware parce qu'ils développaient les softwares qui étaient utilisés dans les hardware. C'est un peu ce que, par exemple, comment fonctionne Apple, qui design les macOS avec leur carte mère, etc. Ben, c'est à peu près pareil. Et puis, mais quels sont leurs types de clients? Eh bien, ils ont les clients externes, mais aussi les clients internes. Et souvent, on l'oublie, il y a beaucoup de product managers en B2B qui ne font que de l'interne. C'est-à-dire que leur boulot est de développer des outils en interne pour optimiser les besoins d'autrui. Par exemple, dans les banques ou dans les secteurs aéronautiques, c'est souvent comme ça. Chez Schlumberger, on avait aussi des divisions où, en fait, le produit qu'on développait en externe, on développait d'abord en interne. Si on voyait que la technologie était bien en interne, eh ben, on disait, bon, bah, tiens, on va le commercialiser. Et boum, et on passe en externe. Chez Kepler, on a aussi la même philosophie, c'est qu'on développe des outils d'abord pour l'externe, mais on est obligé de développer des outils en interne pour s'assurer que, justement, les analystes, les traders qu'on a en interne peuvent, justement, typiquement, QC les données, quality control, et puis travailler là-dessus. Donc, vraiment, un monde qui est à la fois tourné vers l'intérieur et à la fois vers l'extérieur. Et c'est très représentatif d'un product manager en B2B, c'est qu'il doit avoir cette capacité à la fois à parler à des clients en interne et à des clients en externe. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Et souvent, les clients en interne, par expérience, sont beaucoup plus difficiles que les clients en externe. Maintenant, quelles sont les différences vraiment concrètement entre B2B et B2C? Et je vais me servir de cette nomenclature pour décrire après les différentes facettes du product manager. Donc, quand vous êtes en B2B, l'une des premières choses à savoir et à retenir, c'est que le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir est beaucoup plus bas qu'en B2C. Je vous ai donné un exemple, entre 50 000 et 60 000 pour les outils dont je m'occupais à Schlumberger, on en a plus de 5 000 utilisateurs dans notre domaine à Kepler, qui sont un domaine un peu plus fermé, des traders, des analystes, etc. Ça paraît pas beaucoup, mais mine de rien, pour le secteur dans lequel on évolue, c'est beaucoup, parce que ce sont des secteurs un peu plus niches. Et d'ailleurs, en parlant de niche, c'est de la technologie qu'on utilise, les types d'informations qu'on est obligé de faciliter et de visualiser, ben, ce sont des informations qui sont très, très détaillés. Et souvent, le product manager, vous allez le voir, ce sont des gens assez experts. Après, il y a aussi le fait que typiquement, en B2B, eh ben, quand on regarde le produit, ce n'est pas très « wow ». Ce n'est pas le genre de produit, vous le regardez, vous dites « ah oui, ça, c'est un software ou un logiciel dont je veux absolument utiliser, je vais l'adorer, c'est extraordinaire ». Souvent, c'est l'inverse. C'est je le déteste, mais je suis tellement obligé de l'utiliser que ben, je l'utilise. Mais ce n'est pas forcément mon premier choix. Et c'est là la différence. C'est que les fonctionnalités en B2B sont plus importantes que le look and feel ou l'expérience générale. Maintenant, ce sont des tendances qui changent. Oui, ouais, j'avais une question là-dessus. Je t'interromps deux secondes parce que effectivement, on peut se dire que c'est secondaire, mais finalement, le but, c'est quand même que les gens l'utilisent, et même en B2B. Du coup, est-ce que ça reste pas une problématique qui est justement importante, et un product manager B2B, est-ce qu'on n'attend pas de lui justement d'apporter ça? Alors oui, et ça dépend encore plus et tu vas le voir juste à la fin de la présentation, quand ça dépend de l'âge du produit aussi, c'est-à-dire du moment dans son life cycle, où est-ce qu'il en est. S'il a 2-3 ans, eh ben, c'est là où le design va kick in, ou un peu plus tard dans son développement. Il y a des périodes où le design sera plus important que la fonctionnalité elle-même. Et c'est là où justement le type de product manager va devoir changer.
Et c'est là où, quand tu faisais la remarque de ben, un product manager, ça évolue à travers le temps. Eh bien oui, ça évolue à travers le temps et ça évolue avec le produit qu'il manage. Et il y a aussi un contre-coup de la mode en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de user-centric design, user-centric development. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut mettre l'utilisateur, que ce soit en B2B, en B2C, c'est la même chose, hein, au centre de l'expérience, et que l'utilisateur, typiquement, peut approcher son expérience d'une manière simple, d'une manière belle, soyons bien honnêtes, et d'une manière assez efficace. L'efficacité, c'est souvent le plus important. Et ce qui arrive parfois, c'est que certaines compagnies, surtout les compagnies américaines d'ailleurs, ils font beaucoup plus attention. Et un des exemples qui me revient à l'esprit, c'est une des plus grosses compagnies qu'on, avec qui on travaillait à Schlumberger. Et d'ailleurs, un de mes meilleurs amis et collègues et mentors est connecté, je l'ai vu, il va s'y reconnaître. Il nous faisait compter le nombre de clics sur lesquels la façon dont on designait un feature, combien de clics et quelle est la distance de mouvement de la souris sur l'écran pour justement pouvoir s'assurer qu'on designait de manière optimale pour l'utilisateur. Donc ça, c'est le genre de questions auxquelles on a qui sont en train d'évoluer à travers le temps. Il y a une question posée dans le public, c'est Céline qui nous demande, est-ce que le fait d'avoir un design faible peut avoir un impact sur l'expérience collaborateur? Oui, à long terme. Au début, quand vous voulez faire le point et que vous voulez vendre le produit, au tout début, c'est plus d'abord, est-ce que la fonctionnalité répond aux besoins? Et après, est-ce que la fonctionnalité est facile d'utilisation? C'est la deuxième question. Et en fait, ce qui se passe dans B2B, c'est que quand on va pour un tender ou quand on va pour typiquement faire une évaluation client, eh ben, le client, très souvent, va avoir une grille, surtout dans les grosses boîtes, va avoir une grille de besoins et il va ticker la box à côté. OK, est-ce que ce produit fait ceci, ceci, ceci? Et il compare. C'est pour ça que beaucoup des produits, d'ailleurs, qui sont destinés au B2B, quand vous allez sur leur website, vous avez une grille des features et parfois, et de plus en plus d'ailleurs, vous voyez des produits qui se comparent à d'autres produits et ils le font exprès parce que ce sont les grilles d'évaluation de est-ce que je vais prendre ce produit ou pas. Et c'est pour cela que le design au début, ce n'est pas forcément le truc que les gens voient, mais et vous allez voir pourquoi, parce qu'en B2B, les gens qui achètent ne sont pas les gens qui utilisent. Donc, j'en arrive à ce point-là. Quand on achète quelque chose en B2B, c'est très cher. Un exemple, une licence d'un des produits dont je m'occupais à Schlumberger, vous pourriez vous acheter un appartement de 30 mètres carrés à Paris dans un beau quartier. Voilà. C'est voilà combien ça. Une licence. C'est une belle image. Une personne. Voilà. Au moins, c'est visible. Vous faites attention quand vous baladez avec. On avait des dongles. C'est des genres de clés USB qui sont pour. Prouver que vous êtes bien utilisateur, eh ben, on se baladait avec des dongles comme ça à travers le monde pour pouvoir faire nos démos. Je peux vous dire que le jour où on perdait un dongle, on se sentait mal parce que c'était la licence qui allait avec et on avait les chocottes, etc. Mais on avait d'autres moyens de bloquer la licence. Mais même en tant qu'utilisateur, on se sent, putain, waouh, j'ai perdu plusieurs millions de dollars. Donc, c'est quelque chose qui est très, très sensitif là-dessus. Une autre chose aussi, c'est le sales cycle et la feedback loop, c'est très, très lent. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous faites un release dans un produit en B2B, vous devez attendre entre 3 et 6 mois avant de voir vraiment l'effet sur déjà l'adoption du produit, mais aussi l'effet client et avoir le feedback qui va prendre 2 ou 3 autres mois. Ce qui fait que ça fait des cycles très, très longs. Et vous allez voir que l'une des caractéristiques du product manager, c'est la patience. Et aussi, la façon dont il va communiquer justement les besoins et les feedbacks. Point final, parce que justement, vous ne vendez pas le produit, enfin les personnes qui achètent le produit ne sont pas vos utilisateurs, la façon dont vous approchez la présentation du produit est tout aussi importante. Et la façon dont vous approchez les valeurs du produit et pourquoi ce produit est important. Le buyer, c'est la personne qui va acheter le produit en B2B,
c'est souvent le département de ce qu'on appelle de procurement. Je ne connais pas le mot en français, excusez-moi, mais en gros, c'est le département d'achat. Je crois que c'est ça, c'est achat. C'est achat qui est IT. C'est les achats. C'est tout ce qui... Ouais, c'est ça. C'est les achats, c'est IT. C'est les gars qui gèrent les licences, les produits de manière générale, etc. Et c'est pas un utilisateur qui vient avec sa carte bleue. Ça n'arrive jamais. Alors, peut-être dans les petites boîtes B2B, on a ça au début, mais dès que ça grandit, on officialise, on doit faire du invoicing, on doit faire beaucoup de process. Pourquoi ? Parce que il y a une régularisation de ça, il y a des règles, il y a des lois, il y a des taxes, et tout ça, c'est important. Donc, vous allez parler à la fois à l'utilisateur pour lui convaincre que la fonctionnalité est là et que c'est facile à utiliser, mais à la fois, vous allez devoir shifter votre discussion au buyer pour lui dire que voilà, vous tiquez toutes les boxes, mais vous avez quelque chose que la compétition n'a pas. Et c'est souvent autour de l'intégration, c'est souvent autour de la façon d'être ouvert à d'autres outils, etc. Donc, si je prends chacun des piliers que vous voyez là et que je le mets autour du PM, okay, quelles sont les key caractéristiques du PM dans ces cas-là ? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'on a un petit groupe d'utilisateurs, le PM va devoir être un très bon écouteur, pas trop le mot en français, listener. En anglais, c'est typiquement quelqu'un qui sait écouter, qui a de l'empathie avec l'utilisateur et qui est à même de traduire en fait le besoin de l'utilisateur dans un produit. Et je vais être très franc, les 90% du temps, l'utilisateur va vous donner un requirement, un besoin qui n'est pas exactement le besoin dont il a vraiment besoin, ce dont il a vraiment besoin. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire un besoin qui est limité par rapport à ce qu'il utilise aujourd'hui. Donc, le but du PM, dans ces cas-là, c'est d'aller et de poser les 5 questions pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Five Whys of Toyota, mais en gros, Toyota, à une époque, elle a eu des problèmes de chaîne de production. Et ils ont mis en place ce process où, vous posez la question, pourquoi vous utilisez ça, pourquoi vous avez fait ça, et pourquoi, 5 fois minimum, vous en arrivez au point où c'est vraiment la raison pour laquelle vous avez besoin de ça. Et le PM, dans ces cas-là, il écoute très bien, c'est un très bon traducteur, et il est capable de poser ces questions d'assez empathique avec l'utilisateur pour justement le faire. La deuxième chose, parce que c'est souvent... en utilisant de la technologie qui est assez niche et très spécialisée, le product manager, il est très technical. Je vais vous donner un exemple. Chez Kepler, quand on recrute nos product managers, on en a recruté 2 récemment, eh bien, on s'est assuré que durant leurs tests et leur recrutement, ils avaient des tests très techniques sur comment on analyse des données, comment on réfléchit à la traduction des données, comment on crée par exemple un schéma de données, etc. Donc, pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas capable de traduire les besoins de l'utilisateur dans des technologies, eh ben, vous n'êtes pas capable de construire un produit qui va avoir une valeur pour les utilisateurs à la fin de la journée. Donc, c'est souvent quelqu'un qui est un peu geek, qui a un appétit pour la technologie et qui est capable justement de l'apprendre. Parce que justement, c'est très cher. Le product manager en B2B, il est encore plus qu'un B2C, un business woman or man. Et pourquoi ? Parce que c'est le product manager qui va travailler avec les sales, qui va travailler avec le marketing, qui va travailler avec les customer success pour fixer un prix et un niveau d'adoption qui est important pour justement pouvoir vendre le produit. Et il faut avoir une très bonne connaissance du business pour faire ça. Très souvent, dans les grosses boîtes, ce qui se passe, c'est que les product managers ne sont pas embauchés de l'extérieur. Ils sont embauchés de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont déjà connu le business. Donc, un peu comme ma carrière, j'ai commencé en support. Donc, je répondais au téléphone à Aberdeen, au fin fond de l'Écosse, pour dire aux gens comment utiliser un logiciel. Puis, j'ai monté en sales. Puis j'ai monté en marketing. Et puis finalement, après avoir fait du marketing, j'ai décidé de bouger sur le produit. Et je l'ai fait exprès parce que voilà, c'est une évolution très fréquente en fait dans les grosses boîtes où on touche un peu à tout. Et on touche tout autour du produit et après on arrive au produit. Après, comme je l'ai dit, le sales cycle et le feedback loop est très lent. Et très souvent, il faut être très patient, mais aussi très diplomatique.
Et c'est là où il y a le côté qui est un peu… les gens, souvent, quand j'écris ça, ils me disent mais j'aime pas la politique, etc. Et the resident politician, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement diplomatique et qui sait dire non. Le plus gros boulot d'un product manager de manière générale, et beaucoup de gens vous le diront, c'est savoir dire non. Et en B2B, c'est très difficile de dire non. Pourquoi? Parce que les gens et les clients qui vous parlent dépensent des milliers, des centaines de milliers de dollars ou d'euros ou des millions d'euros sur vos produits. Alors voilà, je vais vous mettre en contexte. Il y a 2 semaines, j'ai eu des réunions avec des clients qui typiquement me disaient « Clark, je ne vois pas pourquoi on continuera à payer notre million de dollars par an si vous ne nous délivrez pas ceci et si on ne peut pas accéder à nos données de la façon dont on le veut. » Dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses à faire. Soit vous pouvez délivrer à ce moment-là, vous dites « Oui, monsieur, on va délivrer, etc. » Soit vous savez intrinsèquement que vous ne pourrez pas le délivrer, et dans ces cas-là, il faut trouver d'autres méthodes de négociation et de discussion. Et ce n'est plus une discussion technique à ce niveau-là. C'est une discussion business, mais c'est une discussion aussi qui est basée sur des faits. Et il faut être très factuel et très transparent vis-à-vis du client. Pourquoi? Parce que si vous ne l'êtes pas, le client, déjà, il va le voir, il va détester, et vous allez perdre sa confiance. Et du moment, du jour où vous perdez sa confiance, c'est fini. Le client, il ne reviendra pas au moins pour un autre cycle, c'est-à-dire 2 ou 3 ans. Donc, c'est ça aussi qui est très compliqué. Donc, il faut être très, très fin. Et je peux vous dire par expérience, la première fois que j'ai été, quand j'ai été nommé Head of Product il y a 4 ans, à peu près, un peu moins de 4 ans, la première fois, je suis allé dans une grosse réunion et typiquement, je me suis pointé et je leur ai dit, ils voulaient quelque chose et je leur ai dit non. Non. Non, et j'ai continué comme ça. La sales, la personne qui fait des ventes, m'a pris à part et fait « Clark, tu peux changer un peu ton discours parce que tu es en train de les aliéner pour être franc, ils ne sont pas contents, quoi. » Donc, on est rentré dans la salle et là, j'ai changé mon discours. Je leur ai posé la question « Pourquoi ?» Et « Pourquoi vous avez besoin de ça ?» Et « Pourquoi ?» Et « Pourquoi ?» Et en fait, ce dont ils avaient besoin, c'était pas, même si moi je le savais forcément parce que j'avais compris ce qu'ils cherchaient, mais le fait qu'on arrive à les aider à exprimer leurs besoins, justement, c'est une méthodologie qui aide à ce genre de choses. Donc c'est là où il faut être très très diplomatique. Et parce que c'est pas le même end user qui achète le produit, quand vous vous pointez devant un département d'achat et que vous leur donnez la facture, eh ben, il faut bien connaître son pitch. Et là, c'est savoir dire raconter une histoire. Et c'est très vrai. C'est là où il faut savoir expliquer pourquoi votre produit est différent, le faire de manière simple, ne pas trop en faire, et le faire de manière humaine et empathique, parce que c'est ça qui travaille. Et parce que justement, le design, c'est un peu secondaire parfois, et ça remonte, ça dépend du temps du produit. Il faut être aussi très pragmatique de ce côté-là et pouvoir savoir définir quand c'est important ou pas. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là sur les... Ouais, moi j'ai une question justement sur le... Tu vas être storyteller parce qu'en fait, c'est un peu toi qui fais la vente ou il y a quand même des équipes de vente souvent dans les boîtes. Toi, tu es au produit, donc peut-être tu les accompagnes sur la partie. Parce que pour moi, le product manager, il était plus la personne qui devait être là au moment de la démo et au moment de l'usage de la chose, mais tu viens aussi dans la négociation commerciale, c'est ça que tu veux dire par ça? Oui, ça dépend aussi du niveau aussi du type de contrat. Par exemple, j'ai été dans ma carrière, j'étais technico-commercial, où là, oui, c'était moi qui faisais les démos, qui racontais l'histoire. Mais plus le contrat est gros, plus l'équipe produit va participer, surtout à écrire justement les proposals, les contrats, en fait, techniquement, parce qu'il faut spécifier techniquement ce qu'il y a dans le contrat et ce qu'on va délivrer, etc. Et quand tu es head of product, par exemple, chez Schlumberger, j'étais head of product, on appelait ça portfolio manager parce que j'avais plusieurs produits. Et dans ces cas-là, c'est aussi moi, en tant que head of product, en charge du produit, qui était responsable du produit, qui va présenter ce qu'on va faire et qui va présenter justement cette technicité. Pourquoi? Parce que ça donne une certaine crédibilité.
ça montre aux clients que vous vous souciez d'eux, que vous ne mettez pas n'importe qui devant eux, que ce sont les gens qui sont en charge du produit, qui sont typiquement, qui sont responsables et qui mettent leur nom et leur position sur la sellette, et, etc. Donc, ça dépend du type de contrat. Plus le contrat est gros, plus il y a de chances que le PM lui-même ou le Head of Product ou le CPO soit fait partie de la discussion. Quand ce sont des petits contrats, oui, là, c'est les sales, les product spécialistes, les technical sales, les technico-commerciales qui vont s'occuper de ça. Mais pour qu'eux puissent le faire, il faut quand même que le PM leur dise quelle est la valeur du produit. Et si le PM qui construit le produit ne sait pas exprimer la valeur du produit, alors là, on a un problème. Alors là, c'est Houston, on a un problème. Okay. Et toutes les boîtes n'ont pas de département de marketing, par exemple. Chez Kepler, on n'avait pas de département de marketing. Là, on est en train de construire. On a pris un marketing manager, on a un communication manager. Je m'occupe du produit marketing avec l'équipe. Mais c'est l'équipe produit qui s'occupe de faire le message du produit. C'est nous qui sommes en charge du message du produit. À Schlumberger, j'étais dans l'équipe marketing. Et là, on avait une équipe marketing qui faisait la totale. Mais on faisait de pair et on travaillait toujours de pair. Le product manager travaille en B2B avec littéralement tous les départements que vous pouvez imaginer, que ce soit les ingénieurs, classique, marketing, sales, customer success, operation, légal. Oui, légal, parce que tout ce qu'on doit construire doit rentrer dans des conditions légales, des terms et conditions. Les trucs, vous savez, les trucs que quand vous checkez un nouveau software, vous mettez « I agree », mais vous acceptez les conditions, mais vous ne les lisez jamais. Mais ça, c'est le genre de truc. Les product managers en B2B, on les lit. Et d'ailleurs, certaines parties, on travaille avec le légal. Le lawyer, le légal, pour justement les écrire. Et j'ai eu des heures et des heures à tergiverser sur la façon de formuler des besoins, enfin des besoins de terms and conditions. Il y a aussi un autre truc, c'est que les PM, dans les grosses boîtes de B2B, souvent, c'est même eux qui écrivent les patents, les brevets. Si vous regardez dans LinkedIn, il y a beaucoup de product managers qui ont des brevets. Moi-même, j'en ai écrit, on en a soumis, certains ont été acceptés ou d'autres. Et ce sont des brevets techniques, mais qui sont légalement très importants pour la compagnie parce que ça fait partie de la valeur et de la différenciation de la compagnie. Donc, c'est là où, oui, il faut savoir donner une histoire, il faut être très technique, il faut être à la fois business driven, et il faut connaître le business, il faut prendre du temps à l'apprendre le business, il faut prendre du temps à parler aux clients. Un B2B product manager ne peut pas passer une semaine sans parler aux clients. Et c'est une grosse, grosse différence. C'est que parce qu'on n'a pas autant de données qui sont capturées, merci. J'ai du mal en français, hein. Je parle plus anglais que français généralement. Donc, non, déjà, je pense que je ne dis pas du tout d'anglicisme, c'est vachement bien. j'essaie. C'est très dur. et donc, c'est très difficile. Et oui, on travaille avec les customer success, oui, on travaille avec les gars du support, oui, on travaille avec les sales, mais la réalité, c'est que rien ne changera l'importance de pouvoir parler à un client directement de ce qu'ils font. Récemment, chez Kepler, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle un Product Advisory Programme. En gros, on prend les top 20 utilisateurs au monde ou les top 20 compagnies qui ont été très constructives à travers les 5 dernières années du produit, parce qu'il a 5 ans le produit, et on organise tous les quarters ou tous les trimestres typiquement ou tous les mois une session de 1 heure ou 1 heure et demie où ils nous présentent pendant une demi-heure ce qu'eux, ils font. Et là, on invite tous les devs, tous les product operations, tous les product managers, etc. Et on écoute leur présentation et on les enregistre pour pouvoir les assimiler et comprendre. On leur pose des questions directement. Et après, on leur présente la roadmap, etc. Et on fait une calibration. Déjà, hein, ça, c'est un engagement avec le client qui est très, très, très important en B2B. Pourquoi ? Parce que ça valorise le client. Et de deux, c'est aussi super important parce que vous mettez le client en face des développeurs. Et ça, ça vaut de l'or. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous enlevez la barrière de la traduction et les développeurs peuvent aussi poser des questions eux-mêmes. Et c'est là où l'intégralité des différentes facettes prend tout son ampleur. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que si je fais un point,
j'ai pris les différences entre B2B et B2C et je vous ai expliqué comment les différentes facettes du PM et comment le PM va évoluer et quelles sont les compétences dont elle ou il a besoin pour pouvoir faire cela. Maintenant, si je les simplifie, vous avez tout le côté design en haut à gauche, vous avez tout le côté technologie en haut à droite et tout le bas, c'est le côté business. Alors, vous devez sûrement connaître ce Venn diagramme et je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous avez design, technologie et business. Et d'ailleurs, Annabelle, tu en as parlé un peu avant, un product manager doit savoir toucher à tout. Ouais. Sauf que la réalité, et ça, on ne vous le dit pas, c'est qu'on vous dit souvent, vous devez être au milieu. Mais la réalité, et je vais être vraiment franc, personne, jamais personne ne peut toucher les trois à la fois. On est tous biaisés vis-à-vis de un ou deux de ces types de technologies. Et la réalité, c'est que le goal du product manager, et surtout quand il travaille en équipe, c'est de ne pas essayer d'être au milieu, c'est d'être être en équilibre et de construire une équipe autour de lui qui puisse justement contrebalancer ce bias, ce biais typiquement. Et après, ça évolue aussi et vos compétences vont évoluer avec le produit. Et c'est ça que je vais montrer dans la prochaine étape, c'est comment justement, si on prend ces trois pilars de design, technologie et business, comment ces facettes vont évoluer, quelles sont les facettes dont vous avez besoin selon l'âge de votre produit et la maturité de votre produit. Et souvent, on n'en parle pas. Moi, j'ai une autre question aussi. Quelle est, selon aussi mon expérience, parce que tout ce que tu dis là de technologie, business, design, toutes ces qualités-là, j'ai l'impression que c'est des qualités que tu peux faire et acquérir qu'une fois que tu as quand même travaillé longtemps. Donc, imagine, tu as travaillé 2 ans, t'as pas... enfin, en fonction aussi de ton expérience, ça m'intéresserait de voir où est-ce que tu situes le PM et est-ce que c'est possible de venir, est-ce qu'il faut déjà avoir une certaine expérience et comment tu fais pour atteindre un niveau qui fait que tu es à l'aise là-dessus, quoi. Alors, c'est là où… c'est marrant parce que certains de la promo actuelle de John Maestro m'ont posé la même question. Et réponse a été très simple. Ma réponse a été très simple pour eux. Je leur ai dit, la réalité, c'est que vous devez commencer quelque part et vous devez vous assurer que vous êtes très clair dès le début avec qui que ce soit qui vous embauche sur quelles sont vos forces et où est-ce que vous voulez aller dans ces eaux-là. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un de technique ou plus quelqu'un de design ou quelqu'un de plus business et plus de technique? Par exemple, moi, je me situe entre le design et le business. Je peux être très technique aussi, hein, mais ce n'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Hein. Faire des calls API, ce n'est pas mon truc. Tu vois. Récemment, j'ai embauché 2 senior product managers qui avaient un peu d'expérience, l'une moins que l'autre, mais elles ont été très claires, et c'est l'une des raisons pour laquelle je les ai embauchées, c'est qu'elles ont été très claires dès le début en me disant, parce qu'ils avaient un test, et le test faisait partie des trois, ils touchaient trois, la technologie, donc les données, le design, et le business, parce que je voulais voir les trois. Et elles ont été très claires. Chacune d'entre elles m'ont dit, bah, en fait, moi, je suis plus à l'aise dans ces deux-là ou dans celle-là. Et celle-là, je ne suis pas du tout… c'est pas mon fort, mais je veux bien essayer. Et c'est là où, même si vous êtes junior, même si vous n'avez pas d'expérience, en disant et en étant clair que vous avez un appétit plus pour le design ou pour le business ou pour la technologie, c'est là où vous allez vous démarquer. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le product manager ou un head of product ou un CPO ou un VP product ne va pas embaucher quelqu'un qui est au milieu. Et vous allez le voir à travers l'âge du produit, on ne cherche pas quelqu'un qui est au milieu. On cherche des gens qui sont capables de bouger entre ces piliers et à la fois de s'adapter ou de construire une équipe qui typiquement où il y a typiquement quelqu'un qui est plus technologie, quelqu'un qui est plus design, etc. Par exemple, il y a une personne de mon équipe aujourd'hui dans le call, il s'appelle Gaspard, il doit sûrement sourire maintenant. Gaspard, lui, il est technologie, il est plus technologie, proche du business, il connaît très bien le business, mais il est plus technologie. Par contre, il est moins design, mais il est ouvert et il veut apprendre le design. Donc maintenant, on est en train de shifter doucement les compétences de Gaspard pour qu'il se rapproche un peu plus de design tout en restant très technologique parce que c'est là où il est confortable et ça dépend des profils et donc il faut commencer quelque part mais il faut être très clair quelles sont vos capacités et quel est votre appétit. Make sense? Pardon, ouais, hyper intéressant. Moi j'ai tendance à dire que de toute façon tu es toujours plus à l'aise
à embaucher des gens pour leurs défauts que pour leurs qualités, enfin leurs défauts, leurs points faibles, leurs points forts, parce qu'au moins tu sais où est-ce que, tu vois, tu sais où est-ce que les personnes veulent progresser, où est-ce qu'elles vont. Et là, pour moi, c'est un peu ça ce que tu es en train de dire aussi, c'est que quand quelqu'un est très clair sur là où il est, il a son point fort, ça veut dire qu'il est aussi clair sur là où il est son point faible. Et toi, au moins, tu le sais et t'embauches en connaissance de cause et c'est parce que ça ne te dérange pas, quoi. Exactement. Mais aussi parce qu'on voit un potentiel. Exactement. Quand j'embauche quelqu'un, j'embauche la personne pour investir dans cette personne. D'ailleurs, le process d'embauche chez Kepler, on l'a refait complètement et on passe autant de temps avec on sélectionne vraiment de manière très stricte les candidats et après on passe 15 heures avec eux. Mais on passe du temps, on a des calls avec eux, même informels, etc. Pourquoi ? Parce que c'est important, autant ils passent du temps avec nous, autant c'est un investissement pour eux, c'est un investissement pour nous. Et donc c'est comme ça dont on approche le. Alors maintenant, je vais vous prendre avec l'histoire du produit. Et c'est là où personnellement, j'ai été extrêmement chanceux dans ma carrière et je dois le dire et je remercie Schlumberger pour ça. C'est une super boîte, ça m'a énormément appris et les gens ont été extraordinaires. J'ai eu la chance de voir des produits à différentes périodes de leur vie. C'est-à-dire, ils avaient différents âges. Des produits qui n'étaient même pas encore nés, qu'on était en train de faire naître, c'est-à-dire de l'ideation pure, hein, du prototype au premier MVP, jusqu'à mettre à la retraite un produit qui avait 35 ans. Et je vais vous donner un peu, dans ces cas-là, quelles sont les compétences et quelles sont les facettes du product manager qui vont être les plus importants dans ces périodes de la vie. Et j'ai touché à d'autres produits et j'ai beaucoup parlé et beaucoup échangé avec des gens aussi de ce milieu-là qui ont eu différents types de produits. Et donc, j'ai essayé de créer ce graphe qui représente un peu typiquement l'épaisseur du graphe que vous voyez ici. C'est typiquement combien vous en avez besoin et combien vous allez l'utiliser. Au début du produit, quand il est juste né, eh ben, vous devez avoir une bonne connaissance du business, vous devez vraiment y aller et pouvoir parler de la story, pourquoi vous le faites, mais aussi de la technologie. Et parce que le design n'est pas le plus important au tout début, hein, mais vraiment plus la fonctionnalité, eh ben, vous allez pousser sur la technologie et le business. Mais à partir de 2-3 ans, c'est là où justement, quand vous avez un peu d'adoption, que vous allez commencer à repenser le design et c'est là où vous allez faire un peu plus de design et focus un peu plus de design, vous arrivez presque proche des 5 ans. Et c'est un cycle très, très répandu. Après cela, donc là, vous êtes le PDG, vous êtes le CEO. Après cela, ce qui se passe, c'est qu'on a un spike de design. Par contre, après 5 ans, ce qui se passe très souvent, c'est que vous vous rendez compte que vous avez un beau produit, vous avez de la technical, de la dette technique, donc il faut régler ça. Et en plus de ça, il faut s'ouvrir au monde extérieur et à l'écosystème d'autres produits et même à la compétition ou à des partenaires. Très souvent, on ne développe pas des produits en B2B qui sont standalone, qui sont tout seuls. On va le développer avec des partenaires. On va travailler avec des partenaires pour justement s'assurer qu'on a un bon plan, etc. Et c'est dans ces cas-là où on est un peu moins design dans ces cas-là, on est business as usual, mais on va bosser beaucoup sur la technique. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des shortcuts, on a pris des raccourcis et typiquement, on va faire ça. On arrive, donc là, c'est la période où le product manager est un product manager qui est plus technique, mais qui est un intégrateur. Après cela, arrive après 10 ans, vous allez commencer à avoir beaucoup, beaucoup de fonctionnalités dans le produit et très souvent, vous voyez cette image avec plein de product managers et puis une télécommande de télé avec 3000 boutons. Ben, c'est ce qui nous est arrivé quand j'étais chez Schlumberger. Arrivé en 2014, j'étais dans l'équipe marketing à l'époque, et ben, on a fait un revamp complètement de l'expérience et c'est là où on a fait un énorme travail sur la UX et c'est là où on est un peu le Da Vinci, on doit tout redesigner, on doit tout repenser. Et il faut repenser à comment on réduit le nombre de fonctionnalités, comment on les optimise, etc. Et c'est là où vraiment le côté design prend tout son augure. Pourquoi ? Parce que ça commence à être tellement gros, tellement grand, c'est utilisé par tellement de gens, il y a tellement de revenus qui sont accrochés à ça que si on ne change pas, et ben on a un problème. Après cela, quand vous passez la barre des 15 ans et que vous arrivez à 20 ans, alors là, c'est un autre problème. Votre architecture devient vieille. Votre produit, c'est de plus en plus difficile. Les gens vous demandent de rajouter plus et plus d'options. La réalité, c'est que c'est quasi impossible. Je vais vous donner un exemple.
Le produit phare dont je m'occupais et dont j'étais responsable avec l'équipe des 30 product managers, il avait exactement 16 millions de lignes de code et 3200 boutons. Alors, imaginez 3200 boutons. Déjà, le training manuel, le manuel de training, ce n'était plus un seul manuel, c'était deux semaines de cours pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc, c'est un peu taré, c'est un peu fou, mais c'est là où il faut prendre des décisions et il faut prendre des décisions très diplomatiques avec le client et commencer à shifter le client de la solution que vous avez actuelle à une nouvelle solution. Il faut que vous, en parallèle, vous ayez, que vous recommenciez en fait ce cycle-là, que vous reveniez en arrière et vous recommenciez le cycle zéro, mais sur un produit en parallèle. Et c'est pour ça que le design est peu. La technologie, vous devez réfléchir à comment vous allez prendre l'investissement du client avec vous, etc. Et c'est très compliqué. Et il faut beaucoup de diplomatie et beaucoup de finesse dans la façon d'approcher le problème, parce que vous allez dire non à plus de 80%, 90% des demandes du client. Et à la fin du cycle, parce que là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez tuer votre propre produit. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire. Après 20 ans, pour un produit, c'est équivalent à 90 ans, 100 ans pour un être humain. Bon, je ne dis pas qu'il faut euthanasier le produit, mais il faut le faire de manière smart, de façon à ce que les technologies que vous avez investies durant ces 20 ans, vous puissiez les réutiliser autre part, et la science que vous avez utilisée, vous pourrez l'utiliser autre part. Et à la fin de la vie du produit, là, c'est là où vous êtes the one-man army. Typiquement, vous n'avez pas besoin, vous connaissez très bien le business et c'est vraiment du business, de la façon de faire la transition avec d'un coin à un autre du produit et d'un client tel qu'il est aujourd'hui à quelque chose de nouveau, et etc. Et c'est là où mettre à la retraite un produit, ça prend du temps. Surtout pour justement bouger les clients sur le produit d'un autre. Chez Schlumberger, ça nous a pris 15 ans pour bouger totalement tous les utilisateurs d'un produit à un autre. Et après, ça nous a pris 2 ans pour officialiser la mise à la retraite du produit, qui avait 35 ans à l'époque. Ça s'appelait Geoframe. Et donc, ça prend beaucoup de temps en B2B. Pourquoi ? Parce que les gens investissent des centaines et des centaines de milliers d'euros. Je ne vous parle même pas des systèmes de business, par exemple SAP, Salesforce, etc., que vous devez connaître. Là, c'est du bespoke. Donc, à chaque fois, dès que vous avez un peu des développements qui ont été faits spécifiquement, alors là, ça devient c'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar pour les équipes produits. Et c'est là où il faut avoir une bonne connaissance du business. Donc, à travers, si je combine tout ça, ça vous fait un peu la courbe Siri qui a voulu parler, mais c'est la courbe de vie du produit et du product manager et des compétences dont on a besoin du product manager en B2B à travers la vie du produit. Mais si je reprends justement ce Venn diagramme que tout le monde connaît, design, tech et biz, et bien quand le produit commence à 0 ans, vous êtes plutôt dans ce coin-là où vous avez business tech, puis à 5 ans, vous bougez plutôt en design parce que vous êtes obligé de faire plus user-friendly pour vous revenez en tech, et ainsi de suite, tout au long du produit. Et je reviens sur ce que tu as dit, Annabelle, au tout début en disant les compétences d'un product manager, les capacités et ce qu'on demande au product manager évolue à travers le temps. Il évolue pas non plus à travers le temps de votre carrière, il évolue selon le produit que vous allez gérer et l'âge du produit que vous allez gérer et la maturité du produit et combien d'utilisateurs vous allez avoir. Et en B2B, c'est extrêmement vrai. Donc, pour finir, je vous ai parlé typiquement de toutes les différents types de facettes du product manager en B2B, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de très technique, quelqu'un de très business, quelqu'un de diplomatique, quelqu'un qui sait dire des histoires et sait expliquer pour que justement répondre au fait qu'il ne vend pas aux utilisateurs de fin, et quelqu'un très pragmatique d'un point de vue design. Mais ces facettes-là vont s'exprimer de manière différente et à des importances différentes selon la vie, tout au long de la vie du produit tel que dessiné sur ce Venn diagramme. Et sur ce, je vais m'arrêter là et répondre à toutes les questions dont vous avez besoin. Merci. Moi, j'ai une première question que je me suis posée plusieurs fois dans ta présentation. C'est jusqu'alors, effectivement, technologie, business, design, tu peux se dire sur le B2B, tu as donné les spécificités, mais c'est des choses aussi dont on a besoin sur le B2C. Est-ce que, de la même manière que sur tous les exemples moi, que j'ai déjà vus en B2C,
quels sont les outils que tu vas utiliser pour aider à coordonner les différentes équipes? Est-ce que vous avez des rituels? Tu sais, on parle beaucoup de soit on est organisé soit Scrum, Kanban, il y a du Lean. Est-ce que ça, tu le maintiens? Tu as exactement ce même genre de choses? Vous faites des roadmaps? Vos roadmaps, dans ces cas-là, vous les actualisez? Comme c'est du B2B, je suppose que c'est des cycles beaucoup plus longs. Moi, j'ai déjà vu des roadmaps oui. produits qui étaient actualisés tous les trimestres. Je suppose que toi, ça doit être ça, ce genre d'indications. Alors, très bonne question. Alors, pour les outils, on utilise les mêmes outils de manière générale que les B2C. Hein. On a utilisé du Jira, du Clubhouse maintenant, des Kanban, des Trello. Enfin, vous avez toute la ribambelle. Le but, c'est pas tant l'outil qui est important, c'est plus ce que vous en faites. Et en l'occurrence, quel est le goal, la mission que vous vous donnez à développer. Par exemple, chez Kepler, en arrivant, depuis que je suis arrivé, on a instauré une gouvernance produit où typiquement, on travaille par saison. Et la saison, c'est typiquement un trimestre. Et de 3 mois avec des sprints de 3 semaines, on a aligné toutes les équipes de façon à ce que toutes les 3 semaines, on a un sprint review et planning, cérémonie, une session. Ouais. D'ailleurs, c'est 7 semaines chez nous. On en a 8 parce qu'on a 8 crews, on a 8 squads. On en a 8 et c'est divisé en 2 jours où tous les gens peuvent venir participer. Pourquoi ? Parce que ce qui est vachement important chez nous, c'est de pouvoir comprendre les dépendances entre les équipes. Parce que souvent, des équipes ce ne sont pas des équipes qui sont feature-driven, mais qui sont mission-driven, qui sont business-driven. Donc, ce sont des missions verticales ou des produits complets. Donc, c'est là la différence. C'est que souvent, en B2B, ce n'est pas un feature genre un search ou une map. La taille de l'équipe, c'est plus un produit. Par exemple, chez Kepler, on a un produit qui s'appelle flux, les flux de matières premières. Chez Schlumberger, on avait un domaine, c'était la géologie, la géophysique, et le produit manager gère le business entier de ce domaine-là spécifiquement. Et donc pour cela, il est obligé d'utiliser les méthodes agiles pour ça et les outils que tout le monde utilise là-dessus. Pareil, on utilise Adobe XD pour un peu le design. Vous pouvez utiliser Figma, Miro. Enfin, n'importe quel outil peut fonctionner. Le but, c'est de s'assurer que, un, dans les équipes, vous avez une clarité, que les dépendances entre les équipes sont très claires, que les roadmaps que vous avez définis, très souvent, ce qui arrive très souvent en B2B, c'est que les vendeurs, les sales, les customer success, ça vont plus vendre la roadmap que le produit actuel. Donc, il faut faire très, très attention sur la roadmap et comment vous la passez au reste de l'organisation. Nous, on l'update tous les 3 semaines, entre 3 semaines et 3 mois. Pour les grosses missions, c'est tous les 3 mois et 6 mois. Donc, on fait une roadmap de 6 à 18 mois. Au-delà de 18 mois, pour être véridique, mon expérience a vu que c'était beaucoup de bollocks et c'est vraiment, voilà, mon doigt en l'air, oui, on fera ça. C'est une aspiration, mais ce n'est pas tant une roadmap. J'ai eu des clients, quand j'étais chez Schlumberger, qui, quand j'ai pris le poste, le VP technologie à qui je reportais, typiquement, avait eu mon poste avant, 5 ans avant, et les clients m'ont envoyé des slides du VP technologie leur promettant que dans 5 ans, ils auraient certaines features. Et moi, j'étais là, mais... c'est plus valable ça. Enfin, mais oui, mais vous me l'avez promis, regardez. Voilà. Donc les roadmaps, c'est plus long. Hein, mais en B2B, les clients ont très bonne mémoire. Et donc souvent, surtout quand vous partagez des documents, ils vont les garder. Et il faut faire très, très attention aussi. Il faut faire très attention aussi comment vous exprimez la roadmap. Et souvent, de nos jours, du moins dans les équipes à Kepler, on essaie de faire, c'est on leur donne un ETA, hein, c'est une target date. Mais ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'on communique aux clients. On communique aux clients les grosses missions, les gros trucs qui vont arriver. Mais après, tous les petits features ou les enhancements, etc., on ne les communique pas que quand ils sortent. Et on essaie de grouper un peu les releases. Pourquoi ? Parce que justement, les clients ne sont pas capables d'assimiler tout ce qu'on peut réaliser très rapidement, que ce soit les bug fixes, etc. Donc, il faut faire attention aussi de la façon dont l'utilisateur va consommer et digérer la technologie que vous mettez à sa disposition. Voilà un peu comment ça fonctionne.
Justement, j'ai une autre question. Désolée, on va tout petit peu dépasser, hein, mais parce que je suppose que 19h30. Quand on dit que justement dans le B2C, en tout cas, les meilleurs produits sont ceux qui incluent leurs utilisateurs dans la construction. Comment au niveau B2B, tu dis, bah, on va faire quand même attention sur la roadmap parce qu'ils peuvent être très exigeants, c'est des gros budgets. Tu peux quand même les inclure dans la construction de ton produit, leur montrer les endroits où il faut progresser, ce genre de choses, et leur montrer que bah, oui, c'est perfectible en fait. Eh bien, c'est parce qu'on organise des sessions en fait, de feedback. Ce n'est plus des trucs qui sont faits en ligne. Enfin, vous pouvez faire du A/B testing par exemple, etc. en B2B, mais franchement, ça ne marche pas. Ouais. Et il faut discuter avec le client. Pourquoi ? Parce que les besoins sont tellement précis qu'il faut pouvoir discuter avec le client. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai donné l'exemple chez Kepler, on a mis en place le Product Advisory Program où là, on a sélectionné les utilisateurs d'eux que l'on sait c'est eux qui nous aident. Et donc, on va être très spécifique sur les besoins. On va leur donner accès à du bêta, à du alpha. Là, récemment, on a donné accès à du alpha sur des nouveaux SDK, sur des nouvelles façons de connecter au database, etc. Et on a ces produits. Quand j'étais chez Schlumberger, on avait aussi les bêta programmes. Donc, on avait des steering committees. Par exemple, mon ami Stan, qui est connecté, le sait très bien. Avec sa compagnie, aujourd'hui, où il est, on avait des steering committees. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas, on en avait avec deux autres compagnies. Et eux, c'était les plus gros clients. Et on avait tous les 6 mois, on avait des sessions face-to-face où les gens voyageaient. Nous, on voyageait nos product managers de Oslo, Europe, Abingdon, etc., en Angleterre, à Houston. Et une fois par an, eux, ils venaient en Norvège chez nos développeurs, passer la semaine et travailler avec les développeurs, travailler avec les product managers pour justement aider au produit. Et donc, on avait ces steering committees spécifiques avec des clients très privilégiés. Un, parce que ils payaient beaucoup. Deux, parce que technologiquement, ils étaient avancés, donc on choisit bien aussi nos clients et nos utilisateurs. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que dans les grosses industries, les grosses compagnies vont être ceux qui vont l'idée et les petites compagnies vont suivre. Pourquoi ? Parce que c'est les grosses compagnies qui font les standards, en fait. Ouais, et donc, il faut jouer un peu là-dessus. C'est pareil dans les banques, c'est pareil dans toutes les industries qui sont un peu lourdes. Et un peu avancé. Il y a trois autres questions que je vais te poser. Je vais t'en poser, oui. Je vais poser une après l'autre. Est-ce qu'il y a des méthodologies du B2C qui peuvent aider le B2B ? Je suppose beaucoup, mais... Ben, pour être honnête, toutes les méthodologies qu'on utilise en B2B, ouais, c'est les mêmes qu'en B2C. Mais après, ça dépend vraiment de la façon dont vous allez gérer les clients et la façon dont vous allez gérer aussi les besoins et ce côté un peu de négociation, etc. Mais toutes les méthodes, c'est les mêmes. La réalité, c'est qu'il faut savoir l'adapter au produit que vous avez, à la taille du produit et aux besoins de l'utilisateur. Et à la taille de la compagnie aussi, ça dépend. Et au montant. Est-ce que tu as des conseils pour des futurs product managers ? Toi, des infos qui t'avaient manqué et que tu aurais aimé qu'on te donne ? Alors, oui et non. la première chose, c'est que... la chose qui, moi, m'a le plus surprise, la première fois que je suis arrivé en product, c'est que je disais « Ah, j'ai plein d'idées, je veux faire ça. » Et au final, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Donc, il ne faut pas être frustré et il faut accepter que dans certains cas, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas changer le monde. Pourquoi ? Parce que c'est des raisons techniques, parce que c'est des raisons business. Et il faut savoir prendre tout dans la photo, en fait, dans l'image pour voir le faire. Et une des choses que j'ai mis longtemps à comprendre, mais avec le temps, c'est rentré, c'est que quoi que vous vouliez faire, vous n'aurez jamais assez de ressources. Dès que vous vous mettez dans l'idée que vous comprenez et que vous comprenez que vous n'avez jamais assez de ressources, c'est-à-dire de développeurs, etc., pour faire tout ce que vous voulez, à ce moment-là, la prioritisation commence et le travail de priorisation et le travail de dire non à certaines choses commence vraiment. Et le dernier point que je donnerai comme conseil, c'est, et c'est valable en B2C ou en B2B, votre engineer manager, votre technical lead, quoi qu'on dise, c'est votre meilleur ami. Faites ce qu'il en faut pour que votre engineer manager ou la personne avec laquelle qui est votre counterpart en engineering vraiment comprenne ce que vous essayez de faire et vous travaillez main dans la main.
Parce que si vous ne le faites pas, vous n'avancerez pas, vous avancerez très lentement et difficilement, et ce sera très frustrant. Si vous le faites bien et que ça devient votre allié le plus puissant, parce que tous les deux, vous serez capable vraiment de bouger des montagnes. Et j'ai eu la chance d'avoir à la fois des exemples avec des producteurs, des engineer managers où je ne m'entendais vraiment pas, et là, c'était galère parce qu'il fallait que je justifie toutes mes décisions, et à la fois des engineer managers où ça marchait tellement bien qu'on allait 10 fois plus vite et on donnait de la valeur au client qui était 10 fois plus grande. Ouais, c'est vrai que ça change tout. Désolé, j'avais plus de batterie sur mon ordi, mais c'est bon. Pas de problème. Que conseilles-tu pour passer de programme manager à product manager en B2B? C'est souvent le truc. Souvent, les programme managers ou les project managers, ce sont des gens qui sont très organisés et qui sont capables vraiment d'organiser des équipes et des produits et vraiment de mettre les choses, en fait, de s'assurer que tout roule bien. Et un product manager, c'est à peu près pareil, sauf qu'il faut avoir le côté business. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est déjà, n'hésitez pas à demander, hein, parce que dans la vie, et surtout dans ce milieu-là, si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Et très souvent, il faut aussi que vous montriez une capacité à comprendre le business pour le faire. J'ai vu des project managers qui sont devenus product managers, j'ai vu des product managers qui sont devenus project managers et vice-versa. J'ai même vu des engineer managers qui sont devenus product managers. Mais bizarrement, pas trop l'inverse, pas de product managers qui sont devenus engineer managers. Et pour cela, il faut pouvoir montrer que vous avez de l'appétit du business, que vous êtes capable de le comprendre et que vous êtes capable de parler aussi aux clients. Parler, la communication est critique. Si vous n'êtes pas capable d'exprimer de manière simple et éloquente un problème ou un sujet, vous allez avoir des difficultés avec les clients et donc des difficultés aussi avec vos équipes. Donc, demandez, poussez vos côtés business et montrez que vous êtes capable de penser business et de parler business et travailler votre communication. C'est tout. Trop bien. Eh bien écoute, Clark, merci beaucoup. Excellente présentation, passionnante. Merci beaucoup, partenage, depuis Caroline qui dit ça. Merci. Et ouais, effectivement, c'était génial. Merci beaucoup, Clark. Merci à tous. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut vous répondre. Je ne sais pas si tu laisses ton mail ou de toute façon, tu es disponible sur LinkedIn. Oui, je suis disponible sur LinkedIn. Rajoutez-moi, envoyez-moi un email ou autre. Si vous voulez discuter aussi ou un peu de coaching, etc., n'hésitez pas. Ouais, bah trop bien. De toute façon, on te retrouve aussi chez Maestro et on verra parce que tu m'as donné plein d'idées pour plein des sujets là. Donc, on va faire d'autres choses. Trop bien. Bah, bonsoir à tous. On vous donne très vite le programme des prochaines semaines. On est en train d'organiser plein d'autres webinars histoire de maintenir tout le monde sur une vague d'enseignement pendant ce Covid. Salut à tous. Merci. Annabelle, tu restes en ligne? Ouais. Merci, on peut s'appeler, ça te va si on s'appelle plutôt? Ouais, ça marche.